un sentiment de satisfaction parce que tout simplement nous avons noté chez les étudiants de Vignola qui sont l'avenir de ce pays, l'avenir de la région, le sens de responsabilité qui sont venus auprès de Madame la ministre et la ministre de la région. Donc, poser leurs doléances qui consistent à trouver des points pour se déplacer et rentrer à Vignola. Compte tenu naturellement de la mesure prise par le président de la République, son excellence Macky Sall, que nous saluons à sa hauteur, parce que c'est une mesure qui vise effectivement à limiter la propagation de la maladie. Aujourd'hui, l'actualité, c'est le coronavirus. Quel appel avez-vous à lancer envers vos frères et sœurs qui sont là, membres de la région? Bon, l'appel, je pense que j'ai le lancer. Et je pense que l'appel a déjà été bien compris par ces étudiants qui ont pris l'initiative sur eux et l'engagement de quitter le campus conformément aux directives de son excellence pour rentrer chez eux. Et demander effectivement de se conformer aux mesures d'hygiène édictées par le ministère de la Santé, ces mesures qui visent effectivement à protéger toute la population sénégalaise et à faire en sorte que la maladie ne se propage pas. Vous avez aidé l'amicale de Vignola. Est-ce que comptez-vous pérenniser ces attractions au niveau de l'amicale? Oui, nous ne souhaitons pas que ces genres de malheurs s'abattent sur les étudiants que nous les accompagnons. Mais je voudrais dire simplement que ce n'est pas le premier pas que nous posons à l'endroit des étudiants de Vignola, parce que récemment, une sollicitation relative à un logement nous a été adressée et Madame la ministre a pris l'engagement de faire un appui par rapport à ce logement. Un autre besoin qui est là en relation avec cette situation que nous regrettons tous, donc je voudrais simplement dire que Madame la ministre m'a instruit de vous dire qu'elle vous témoignera toujours sa disponibilité et son engagement à vous accompagner, car elle est consciente que c'est sa mission, c'est la mission de tout Sénégalais, d'accompagner la jeunesse, d'aider effectivement à s'épanouir, à étudier dans de bonnes conditions, pour qu'elle puisse relever les défis du développement qui nous engage tous. D'après vous, aujourd'hui, les étudiants vont partir aujourd'hui à Vignola. Quel rôle va jouer ces étudiants-là au niveau de la région? Oui, nous savons tous que les étudiants sont des intellectuels. Donc ils doivent être des relais, ils doivent arriver à Vignola, aider leur famille dans la sensibilisation, aider les voisins, les environnants dans la sensibilisation. À eux de porter le message du ministère de la Santé qui consiste à rappeler les mesures d'hygiène, les attitudes et les comportements visant à éviter les rassemblements, mais également les poignées de main, les accolades, toutes les indications que l'on note sur les affiches du ministère de la Santé, ce qui nous épargnera certainement, n'est-ce pas, de la maladie. Merci beaucoup.